vois, qui va être là, ici. Ça, c'est la base. Ça, là, c'est vide. Hein. C'est vide. C'est là où tu vas mettre tes lignes. Ça, c'est vide d'un châssis. Et on voudrait mettre. Non. On voudrait mettre deux roulettes. Ça, c'est la partie chauffe. Ici, tu as des trous qui vont permettre de. Donc, l'air chaud rentre par là. Il est chauffé par cet ensemble-là. Ouais. Et ici, on va avoir en façade un grillage, une moustiquaire. Voilà. Pour faire un châssis. Voilà. Alors, le truc, si tu veux, c'est que nous, il faut qu'on ait cette zone-là qui soit. Moi, j'ai pensé qu'on ait cette partie-là qui est en fixe, tu vois, pour transporter juste cette partie-là. Ouais. Et cette partie-là qui se met dessus. Voilà, terminé. Et nous, là, on ne sait pas encore la taille qu'on va avoir exacte, parce que on sait que ça, à 45 degrés, si on travaille, ça dépend le sens où on va travailler, mais on avait calculé l'autre jour que le sinus 45, si tu veux, si j'ai 1 mètre là, ici j'ai 0,70. Une ouverture ici, voilà. Et là, il faut qu'il y ait un USB qui fasse ça. Exactement. Oui, c'est ce truc-là entièrement fermé. On doit être en bord à bord, là. Comme ça. D'accord, 5 mm. Voilà, 5 mm, moi, je suis bon. On avait laissé 1 cm. Là-bas, il n'y a pas de jeu. Ok, super. Donc, c'est ça. Tu verras pas un peu? Non. Mais le verre, il va pouvoir bouger, là. Ouais, mais regarde. Ouais, non, c'est pas grave. C'est bon. Faut qu'on fasse le truc à 45 degrés. Pour obtenir le débit d'air dans le caisson, multiplier la surface par 450. Ben nous, on veut faire 10. 10 par 90. 9.9. 0,62 le débit. Intéressant, c'est 4. En face, voilà. Ça te dit quel débit d'air va passer dans le caisson. Mais eux, après, ils te disent la vitesse optimale de passage de l'air dans les plantes est égale à 10 cm seconde. Soit à 2 cm seconde, 12 cm, 12 cm seconde, soit un débit de référence de 450 m3 heure. Ouais. Donc là, nous, on obtient 3244 cm3. Alors maintenant, il faut qu'on fasse. Hier, là, sur le truc noir. Tu vois ce truc noir en plastique où j'ai mon pouce là. Il y a de la frangipane maison, il y a de la Florence, ça fait des crêpes au pois chiche. On y est. C'est bon, je l'ai la griffe. C'est pas ça. Stop. C'est moi qui l'ai faite. Tu le tiens ici, Pierre? Tu peux le tenir? C'est ça? Comme ça? Voilà, ouais. Faire deux bois là. Ok. Tu veux mettre combien de tasseaux sur une clé, monsieur? Donc ça, c'est pour faire quoi, alors? C'est pour faire des petites clés. Merci. Des petites clés sur lesquelles on va mettre les fruits et les légumes. Ah, ça va être posé dessus comme une grille, alors? Voilà, c'est les grilles du séchoir solaire, des clayettes. Ça va, déjà? C'est là, ou celui-là? Non, oui, ça fait rien. Au niveau de la chauffe, tu sais, le soleil, c'est terrible. Tu sais, le verre, il fait loupe, hein, Christelle. Donc c'est fini pour aujourd'hui, là? Qu'est-ce que ça vaut? Ouais, là, nous, on a fini la première partie. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le caisson du haut. Donc on fait le caisson du haut et ici, fermé, et mettre la chauffe. Ça va nous servir. Après, il est fini, il marche. Là aussi? Non. Je divise là? Juste deux là et les deux grosses après. Oh, ça c'est obligé de bois là. Attends que. Je vais démonter les. Ok, voilà. Donc là on a juste celle-là à défaire. Ah.
par 89. Voilà. Alors on va les couper à la scie sauteuse après. Hein. Sur le petit... Ok. Ah, tu veux dire on aurait pu faire 89 dans la plus longue. Ouais, parce que là, t'as un beau côté pour la glissière. Hein, parce que là, on risque de s'emmerder un peu. Allez, 89 comme ça et 84 comme ça. Vers moi, voilà, c'est bon là. Il n'y a pas, il n'y a pas combien. Ah, si, vous devez peut-être avoir que 10, 9 ou 10 mètres d'eau. Peut-être pas assez, mais... non, au large. Voilà. On va y aller. Ouais, elle est tordue comme ça. Elle est toute tordue, tu vois. Il est où ton tronc là? T'as posé la tôle, après tu peux plus la nettoyer la glace. Hein. Ouais. Sur dessus et ça nous fera la. Ça nous fera la tôle quoi. Elle est assez grande. On avait mis du vrai. Ouais, on l'a. La matière, on le tourne avec la même pièce. Ok, c'est bon pour mon côté. Là. Oui, voilà. C'est celle-là, là. Mais là, moi, ici, faut me l'amener, hein, parce que ça va pas, là. Voilà. 83,5, si tu te mets à 83,3, ça me laisse 1 mm, je préférerais avoir 1 mm pour la glisser. Je vais te mettre comment là? Non. Mettre de chaque côté. Donc là il est fini. Ouais, donc là il est fini. Ah. Qui vient s'encastrer dessus et sur les côtés. Voilà. Donc là c'est ça, c'est ici où vont être mis les pommes, les tomates, enfin tout ce qu'on veut faire sécher, les mangues, voilà. Nous on a choisi de mettre une porte qui revient comme ça en bas et qui refermera sur le dessus comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, tout simplement, on va le mettre face au soleil. On va prendre le thermomètre et on va le laisser, par exemple, pour voir pendant 10 minutes, pour voir son efficacité, alors qu'il est quand même, je ne sais pas quelle heure.